je m'appelle Claire Thomas. Ça fait plus de 40 ans que j'habite en France et je vais vous présenter la coutume mauritanienne. Quand on a un invité qui vient chez nous, on lui amène le, lui donne le lait. On a deux sortes de lait aussi, il y a le lait caillé et le lait normal. Le thé mauritanien, on prend du thé vert et on chauffe de l'eau et on le met. Et on fait trois verres. Et le thé chez nous, ça prend beaucoup de temps. Vous allez voir, elle fait la mousse avec les verres. Ouais. Elle est faite parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de maison, les gens habitaient dans le sable. Donc ça permettait en fait de filtrer le thé avec le sable. Vous voyez? C'est comme ça. Et ça, c'est le beurre de en général, c'est le beurre de chèvre ou de vache. Qu'on amène avec la date. Et après, on va commencer à lui amener les plats traditionnels mauritaniens. Ça, c'est le choui. Et ça, c'est le couscous. Le couscous, on le fait avec le mil. On le crase dans le mortier. On fait une sorte de farine. Et la femme, elle prend ça, elle le met dans le grand truc, elle fait le couscous. Et on le met dans le couscoussière pendant deux fois ou trois fois. Et après, on met une sorte de poudre chez nous qui s'appelle tarir. On met un peu dedans. Et là, on fait la sauce et on le met dessus. Bon appétit.